Tommy, Kimberley. Croyez-moi, vous êtes fait l'un pour l'autre. C'est pas vrai, Skull, je t'ai pas dit qu'il faisait un beau couple. Ouais, c'est vrai, c'est un très beau couple. Ah ouais, merci. Et j'y pense, Tommy, ça fait combien de temps que tu ne l'as pas emmené passer... Oh, Fortuna! Une soirée romantique et enchanteresse! Oh, sole mio! Quoi? Eh oui, il faut qu'on vende des billets pour le bal de la police, sinon le lieutenant Stone va nous coller en cellule. Ah bon? Qu'est-ce que t'en dis? Avec plaisir. Parfait. Zed, tu m'emmènes jamais nulle part! Oh, eh bien justement, ma cocotte en sucre, j'ai décidé de te faire une petite surprise. J'ai chargé Serpentera de nous organiser un voyage qui sera en quelque sorte notre seconde lune de miel. Vous n'avez pas une première lune de miel, alors pourquoi une seconde? Alors? Alors quoi? Allons-y, perdons pas de temps. Goldar, c'est toi qui me remplaces. Et assure-toi bien que Finster ait terminé son nouveau monstre avant notre retour. Pourquoi c'est pas moi qui vous remplace? Toi! Évite de faire des bêtises. Pour couronner le tout, je l'ai équipé d'une potion d'amour. Une potion d'amour? Eh bien oui, comme celle dont Rita s'est servie avec le Seigneur Z. Je veux dire comme celle dont Rita ne s'est pas servie avec le Seigneur Z. Exact. Eh oui, enfin, peu importe. Tout ça est enfermé précieusement et pour plus de sûreté, je mets un verrou. Je reviens dans 5 minutes. Et surtout, ne touche à rien. Tu peux compter sur moi. Et c'est parti, oui. Enfermé précieusement. C'est un jeu d'enfant. Bon, alors voyons, cherchons où est cette potion d'amour. Ça ne peut pas être cette espèce de chose rouge avec un cœur dessus tout de même. Eh bien, il y a moyen de savoir. On verra bien quel effet ça peut produire. Et te voilà enfin, beau garçon. Si tu savais depuis combien de temps je te cherche, mais ma patience est récompensée. Tu es véritablement le monstre de mes rêves. Non, mais pas trop tout de même, hein. Je suis entièrement à vos ordres. Je ferai tout ce que vous voulez. Vraiment tout? Vraiment tout. Alors j'ai une idée, écoutez-moi. Oh, quel plaisir d'être invisible et de pouvoir jouer les cupidons. Je suis contente, qu'est-ce qu'on va s'amuser? Je sais déjà quelle robe je vais mettre. Et j'ai décidé de me coiffer en relevant les cheveux. Et ensuite... Que dis-tu de ça, ma petite? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que tu as? Tu es l'être le plus merveilleux que j'ai jamais rencontré. Hein? Oh, on ne t'a jamais dit que tu avais des yeux absolument superbes. Non, pas récemment. Oh. Et dis-moi, tout beau, tu as déjà une cavalière emmenée au bal de la police? Non, maintenant que tu m'y fais penser, non. Ah. Kim, qu'est-ce qui te prend? Je croyais qu'on y allait ensemble. Pas question. J'ai trouvé le plus beau, c'est avec lui que j'irai. Waouh! Excusez-moi, mademoiselle, pardon de vous déranger, mais je cherche Bulkmeyer et Skull. Il est temps de faire le coup de la séduction à la prof. Oh, qu'elle est belle. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous aviez des yeux superbes? Je vous demande pardon. Je sais que c'est un peu tard, mais accepteriez-vous de venir au bal de la police avec moi? Lieutenant Stone! Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous aviez des yeux superbes? Oh, je te conseille de ne pas te moquer des autres, mon gros. Parce qu'avec moi, personne n'est à l'abri de recevoir une flèche de Cupidon. Aïe, 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 chat. Oh, c'est toi que j'attends depuis toujours. Quoi? Viens avec moi à la Casbah. Oh, je ne sais pas où c'est, mais on trouvera. Je crois qu'on ferait bien de s'en aller. Ce type a vraiment l'air bizarre. Comme si le retour de Rita ne suffisait pas, il faut maintenant que j'ai aussi son frère sur les bras. Je t'avoue, Crito, mais ça fatigue. Je vais prouver au Seigneur Z que c'est de moi qu'il a besoin pour l'aider à conquérir l'univers. On commence à parler de les Power Rangers. Ouais. C'est étrange. Vous ne trouvez pas qu'il se passe des choses bizarres à l'école aujourd'hui? Tout à fait. Si tu trouves ça bizarre de tomber amoureuse, alors tu peux dire que je le suis. Ah! On devrait en parler à Zordon. Ouais. Oui, allez-y. Oui. Ça fait plaisir de vous revoir, les Power Rangers. Il faut que je protège Skull. À nous la puissance des ninjas. Oui. Par ici.
Je suis à ton aide. Regarde ça. Vous allez me le payer. Tu t'amuses bien, mon petit sucre d'or. Zed, mon chéri, c'est vrai que tu es très laid. Et en tout cas, tu sais comment faire plaisir aux femmes. Comment ça? Vide? Nous commençons à manquer d'énergie. Oh, je t'en prie. On m'a pas fait le coup de la panne depuis 3000 ans. C'est vrai? Je me demande si ton frère va trouver ça aussi drôle que tu le penses. Allô, la résidence de Rito Revolto. Rito, espèce d'imbécile. Passe-moi tout de suite, Goldar. Oh, Seigneur Zed. Goldar n'est pas là. Mais je peux le remplacer. Alors, comme ça, tu veux le remplacer? Oh, oui. Je t'avais pourtant dit de recharger un bloc Serpentera hier. Et à cause de toi, on est déjà obligé de rentrer. Et ta sœur a hâte de te revoir. Dis à Goldar que je veux que ce monstre soit prêt. Le monstre? Quel... Le monstre. Pas de problème, Seigneur Zed. Non problème, oh. Tout se passe exactement comme prévu. Ne t'inquiète pas. Ah, je vois, c'est ce qu'on appelle reculer pour mieux sauter, non? Exactement! À la prochaine fois, Power Rangers! Oui! Décidément, il ne comprendra jamais! Zordon, il y a un problème avec Kimberley. Elle est vraiment bizarre. Alpha, vérifie tout de suite l'état de son énergie bionique. Ne bouge pas, Kimberley! Kimberley et Skalovitch. Kimberley aime Skalovitch. Aïe, Kimberley semble être sous l'emprise d'une potion d'amour. Oh, Dieu merci. Ranger, c'est bien ce que je craignais. Venez, observez le globe. C'est elle la responsable. Elle s'est rendue invisible et elle a aspergé le potion d'amour l'ensemble de l'université. Je n'ai rien contre l'amour, mais dans ce cas, elle exagère. Ne sous-estimez surtout pas ses pouvoirs. Sa potion d'amour est irrésistible. Et ceux qui en sont aspergés n'ont plus aucune conscience du danger. Compris, Zordon. Vous pouvez l'aider? J'hésite toujours à changer quoi que ce soit à l'équilibre précaire des sentiments humains. Il faut que Kimberley retrouve la raison. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Les effets de cette potion d'amour vont peut-être aller en diminuant peu à peu. Mais en attendant, surveillez bien Kimberley. C'est ce qu'on va faire. Allez, allons-y. Oui? Je crois que cette fois, je vais avoir des ennuis. Pitié, je ne peux plus. Pitié. Quelle bêtise as-tu encore fait? En dehors des bêtises habituelles, bien sûr. Seigneur Zed et Rita sont sur le chemin du retour, mais j'ai envoyé leur monstre sur la Terre. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire une chose pareille? J'ai pensé que ça serait drôle de l'envoyer là-bas avec la potion d'amour faite par Finster. Quelle potion d'amour? Eh bien, celle dont Rita ne s'est pas servie avec le Seigneur Zed. J'aurais dû me douter que c'était un piège. Je sais où quand je veux m'en occuper. Finster! Tu arrives ou non? Oui. Alors tout de suite un antidote à cette potion d'amour, oui. Allez! Dépêche! Je crois bien que la fête est finie. Un autre couple parfait! Mademoiselle Appleby, soyez à moi. Je vous demande pardon. Oh, mademoiselle Appleby, je suis amoureux fou, comme si c'était la première fois. On dirait que dans cette école, tout le monde est devenu fou. Fou d'amour, Appleby, je vous aime. Voilà, j'ai préparé l'antidote. Félicitations. Et pour s'assurer qu'on peut l'utiliser sans danger sur le Seigneur Zed, descend sur Terre. Oui, Goldar. Et essaie-le sur les humains. Que personne ne le trouve. À tes ordres. Ouais, tu aimes le pays, Rito. Yeah, allons-y, à qui le tour? Les ailes de Cupidon ont été repliées. Allez, retourne au palais. Non, juste au moment où je m'amusais. Si t'avais vu les drôles de coupes que j'ai formées. Je t'en remercie. Écoutez, Don Juan de Pacotille, mademoiselle Appleby vient avec moi et il n'y a pas à revenir là-dessus. Pas question, Casanova de banlieue. Elle ne fréquente que des gens qui sont de son milieu. Quoi? Allons, se calme, ça suffit. Je crois que nous nous étions pas encore salués. Oui, c'est exact. Lieutenant Stone. Monsieur Kaplan. Comment allez-vous? Très bien. Ravi de vous voir. Je suis prêt à tout pour toi, Richard. Je t'apporterai la lune, les étoiles. On redescend sur Terre.
Qu'est-ce que je disais? Rien, ravie de cette petite discussion, salut. Comment ai-je pu accepter de sortir avec ce pauvre idiot de Tommy? J'en sais rien. Ah oui, ma petite puce. Tu m'excuseras, je crois qu'on m'attend là-bas. Ah, j'ai te regretté, hein. Oui, c'est aussi mon avis. Excuse-moi, Tommy. Tommy, mais qu'est-ce que je faisais avec Skull? Kim, est-ce que ça va? Ça ira quand je saurai ce qui s'est passé. Bon, c'est une longue histoire. Allons retrouver les autres. L'antidote fonctionne comme un charme. Façon de parler, tous les humains ont retrouvé une attitude normale. Avec un peu de chance, tout va bien tout redevenir normal ici. Mon serait-ce, asperge le Seigneur Z d'antidote à l'instant même où il y arrivera. Je te signale que tu parles dans le vide, Goldar. Il n'y a qu'à moi qu'elle obéit. Eh bien, alors dis-le lui. Très bien. Viens là, mon serait-ce, Siri. Et tu feras ce que je te dirai. Goldar, espèce de monstrueux cloporte. Maintenant, que allez, maintenant. Alors, allons, allons. Toi. Tu sais que t'as des yeux superbes, Goldar, chérie. Ils sont remplis d'affreux petits filaments rouges. Qu'est-ce que tu as fait? Scorbolachin. L'antidote, asperge-la avec l'antidote. L'antidote. Et je veux bien, mais n'oublie pas, à charge de revanche. Mais tu me laisses tranquille! Ne m'approche pas, espèce de babouin! Mais pour qui est-ce que tu te prends? Qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, Goldar, je vois que le monstre est prêt. Ma lune de miel a été gâchée. Je ne tiens pas à ce que ma journée le soit aussi. Allons nous distraire aux dépens des Power Rangers! Ce n'est pas passé loin. Eh bien, on dirait que le charme a cessé d'agir. Hein? Dieu merci! À qui le dis-tu? Oui, c'est le sort le plus abominable qu'il nous ait jamais jeté. Zordon, nous t'écoutons, qui a-t-il? Ranger, la monstresse s'est à nouveau matérialisée dans le parc. On s'en occupe. Allons-y, les amis. Occupons-nous de ce cupidon à la manque. Prêt pour le combat? Ranger blanc, prêt! Ranger noir, prêt! Ranger rouge, prêt! Ranger bleu, prêt! Ranger jaune, prêt! Ranger rouge, prêt! Elle va encore nous asperger de potions d'amour. Pas cette fois-ci. Allons-y. Est-ce que ça va? Oui, on dirait. Parfait. Attention. De toute évidence, on ne savait pas qui vous avait fait. Qu'est-ce que vous dites de mon pouvoir? Je crois qu'il est temps de montrer à ce stupide cupidon de quoi nous sommes capables. Allez. Parce que vous croyez que c'est vous qui allez gagner ce combat? Terminé, monstresse! Tu n'as plus 4 ans! Pas si vite, Ranger Blanc! Grandis, grandis, monstresse! Grandis! J'ai bien l'impression de dominer à nouveau la situation! Ranger! Maintenant, c'est plutôt vous qui devriez vous rendre! Il n'en est pas question! Allons-y! Vous êtes prêts? Prêts! Lion rose! Loup bleu! Ranger Blanc! Sage rouge! Grenouille noire! Ours jaune! Ninja Blanc! J'arrive tout de suite.
là, on en finit. Non, encore un qui mord la poussière. Golda, une fois de plus, tout ça, c'est ta faute. Écoutez-moi, Seigneur, Rita a réussi à vous épouser à l'aide de sa potion d'amour. Non, Golda, non. Apporte-moi l'antidote. Goldar, est-ce que tu aurais perdu la tête? Cette petite sorcière, c'est ce qui m'est arrivé de mieux de toute ma vie. Mais Seigneur, votre mariage est une imposture. Elle vous a trompé. C'est un loup déguisé en brebis. Ça suffit, Goldar, demande-lui pardon. Mais c'est la vérité, pourquoi je demanderai pardon? Fais-le. Très bien, je vous demande pardon, votre monstruosité. Eh oui, peut-être qu'après tout, le Seigneur Zed est amoureux de Rita. Cette monstresse avait la tête dure. Oui, et sa potion était très efficace. Enfin, espérons que Rita et le Seigneur Zed ont cessé leur alliance une fois pour toutes. Mademoiselle Appleby, est-ce que vous me feriez l'honneur de m'accorder cette danse? Oh, oui, je dirais même que c'est avec grand plaisir, Jérôme. Viens, va danser. Oh, d'accord. Salut. Excuse-moi de m'être si mal conduite envers toi. Oh, je savais que tu ne le faisais pas exprès. C'est bien vrai, et justement, je n'ai pas été très gentille avec Skull, non? Est-ce que ça t'ennuie si... Non, je t'en prie. Merci. Un céleri? Merci. Bouh! Tu veux danser? Pourquoi? Pour que tu m'écrases les pieds après m'avoir brisé le cœur? Oh, Skull, crois-moi, je regrette tout ce qui s'est passé. Mais tu ne penses pas qu'on devrait devenir amis? Vraiment? Amis? Oui. D'accord. Parfait. Aïcha, j'ai rêvé de toi toute ma vie. Quoi? Viens avec moi à la Casbah. Je ne sais pas où c'est, mais on trouvera. Oh. Je crois qu'on ferait mieux de s'en aller. Steve a vraiment l'air bizarre. Non? Oui, viens alors trouver les autres. Non, non! Aïcha, Aïcha, Aïcha! Tu trouves qu'elle ressemble à Aïcha? Non. Aïcha,